retraite stratégique. Les brasiers de Tyr, le symbole de la lumière qui unifie les royaumes. Mais pourquoi utiliser ces sortes de runes? Maintenant que tu le dis, c'est étrange. On a déjà vu ces runes. Mais je peux toujours pas. Encore des pièces du code scriptural. Non, le jeu est incroyable. Non, le jeu est là. Oh, franchement, le jeu, c'est là. C'est du n'importe quoi, le jeu. Mimir, comment tu t'es retrouvé sur ces terres? Petit, il y a un moment dans la vie de tout homme où il change de nom et part vers le nord pour tout recommencer. En vivant assez longtemps, on peut finir dans un endroit aussi loin au nord que celui-ci. Quand je suis arrivé, je connaissais déjà Odin de par sa réputation.
Et j'ai donc fait mes preuves en lui apportant quelque chose qui, j'en étais sûr, lui plairait. Un puits mystique de connaissances. Tu sais quoi? Je te la dirai plus tard. Si t'as pas cette arme, tu peux pas y aller. Là, regarde. D'accord. Ça dit, gloire à Motsognir, le roi Anan. Puisse son règne être long, prospère et paisible. Mes amis, bienvenue à Königsgard. Oh, je tiens juste à m'assurer que vous êtes fin prêt avant de vous aventurer plus loin. Le roi nain a laissé derrière lui bien des horreurs à cause de ses pratiques sinistres. Quel genre de pratiques? Oh, un peu de tout. Sacrifices, puissants sortilèges, magie de sang, et j'en passe. Des pratiques répandues chez les vieux nains, malheureusement. Et les vieilles habitudes dans la vie dure. Wow. Regarde, un autre dragon. Je le vois, Atreus. Il est enchaîné. J'espère qu'on va trouver les hôtels d'obédience. Cet endroit est gigantesque. Oh!
Sois prêt. Si le roi nain a capturé plusieurs dragons, c'est qu'il devait en avoir besoin pour créer son armure légendaire. C'est une remarque intéressante, et ça se tient. Presque tout dans le dragon est utile et détient un pouvoir. Les dents, les écailles, même les excréments. Les crocs. Mais oui, et quel pouvoir. La tête se moque de toi. Je le savais. Mais ce qui est pire, c'est fini. Cette porte est impressionnante. C'est
matériaux doivent être très spéciaux pour créer une armure légendaire. Cette armure légendaire a intérêt à en valoir la peine. Je crois que Sindri la fabrique en France. Je suis sûr qu'elle en vaudra la peine. Même à eux, tu leur fais pas confiance. J'ai confiance en toi, Atreus. Mais je ne crois pas à la légende. Oh.
plus dur. Concentré. La deuxième pierre. Le château est encore plus grand que Weisergard. Oui. L'emprise du roi nain était grande. Je me demande ce qui lui est arrivé. C'est un grand mystère, même parmi les fils d'Ivaldi. Avant sa disparition, le comportement de Mod Sognir était de plus en plus imprévisible. Pourquoi ? Deve Grassica. La même armure que vous cherchez à présent. Bien qu'il en ait trouvé deux, je pense que le fait de ne jamais avoir trouvé le troisième matériau l'a rendu fou.
était difficile. Des méthodes pour le savoir, mais elles sont assez dangereuses. Bah, ça change rien.
Ce dragon pourrait nous tuer. Que c'est la bonne chose à faire. Ça, montre-leur ce que tu sais faire. Atreus. Oui, père. Intéressant. Ah!
que tout va bien?
un nombre tel en vérité que nous n'avons presque aucune certitude sur cette armure. Le seul attribut sur lequel on s'accorde invariablement, c'est qu'elle offre une protection absolue. Un bien très précieux pour un roi si décrié, vois-tu? Et pourtant, ces terres désolées sont tout ce qui reste de lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais croire les légendes, mon garçon. Alors, en quoi est-ce qu'on peut croire? En toi-même, tes yeux, tes réflexes. Croire aveuglément à une légende tient du pari et ça paie rarement. Si tu le dis. Suis-moi, Atreus. D'accord.